j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi, on est le 11 me semble-t-il, et il est 7h presque du matin. Je m'apprête à faire tout déni. Voilà, les loulous sont levés, Maëlys et Myron sont levés aussi, même s'ils n'ont pas école parce qu'il faut qu'on amène les filles. Et moi j'ai passé une nuit de merde, je me sens complètement épuisée, mais un truc de fou. Mais bon, c'est pas grave, voilà, il faut se lever, il faut faire les choses. Du coup, J-1 pour Monsieur Patate, voilà. J'ai hâte. Matin au programme, quoi de prévu sinon à part ça, le ménage, parce qu'il y a besoin de faire tout le bas, etc. à fond et tout. Je mettrai un petit coup d'aspi aussi sur le haut, sur les chambres et de poussière. Et cet après-midi, les loulous sont pas là, de 14h à 17h. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me caler, je pense, devant le montage de vlog, etc. De la paperasse, des conneries que je dois faire. Voilà. Rien de bien transcendant. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais attaquer les lits. Les amis, j'en profite de vous faire voir ce petit produit que j'ai reçu gratuitement en partenariat. Franchement, je suis tombée amoureuse. Un truc de fou, j'en ai essayé des beauty blenders, mais genre les faux beauty blenders, vous savez. Parce que moi, je me sers tout le temps que des vrais. Parce que je trouve que c'est ceux qui sont le mieux. Les autres, je les trouve durs, je les trouve... Pas bien. Ouais, franchement, je les trouve vraiment pas bien, quoi. J'en ai essayé plein, hein, de chaque, sur de chez Machin, de tous les trucs comme ça, etc. Mais quand c'est pas la marque Beauty Blender, franchement, j'y arrive pas. J'accroche pas du tout. Et là, je suis choquée. Sincèrement, vraiment, je suis bluffée parce que ces petites merveilles, elles sont juste géniales. Je me suis maquillée ce matin avec. Déjà, j'ai eu besoin de beaucoup moins de produits, comme si l'éponge, elle absorbait beaucoup moins le produit. J'aime bien la forme. Voilà, j'adore la forme. Elle est super moelleuse comme le Beauty Blender. Franchement, vraiment. Elle a un aspect... Elle est douce un peu. Comme des petits poils. Velours. Ouais, voilà. Comme du velours. Ça fait vraiment un aspect velours dessus. En fait, comme s'il y avait plein de petits poils dessus. Ouais. Et je sais pas si c'est ça qui empêche vraiment le produit de s'absorber. Bon, là, elle est sale, il faut que je la nettoie, hein, du coup. Mais elle est trop, trop bien. Du coup, je vous remets en barre d'infos le lien, etc. Si vous voulez aller jeter un oeil. Mais alors, moi, je suis trop, trop contente. C'est tellement moelleux. C'est vraiment, ouais, vraiment l'aspect comme le Beauty Blender, sauf que la texture, ouais, c'est vraiment... C'est ça, en fait. Non, non, c'est ça. On dirait du velours. On dirait du velours. Et l'application, nickel. Ça s'est super bien estompé. Ça a, comme je vous ai dit, beaucoup moins absorbé la matière que le Beauty Blender. Clairement, parce que j'en ai eu besoin de beaucoup moins. J'ai fait tout mon visage avec la pompe que je fais d'habitude en fait, alors que d'habitude j'en mets deux. Franchement, je suis trop contente. Trop contente. C'est une très très belle découverte pour moi. Donc je vous mets en barre d'infos tout ce qu'il faut savoir. Je sais plus s'il m'avait donné un code promo, etc. Bref, je vous remets tout en barre d'infos ou là s'il y a quelque chose à vous écrire. Et comme ça, au moins, vous pouvez aller jeter un petit œil, celles qui veulent peut-être essayer de tester ou quoi. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien du tout. Moi, je valide complètement cette petite éponge. Voilà, je voulais vraiment vous parler de ça parce que vraiment pour moi c'est une super belle découverte et j'aime bien vous partager, voilà, les bons plans comme ça où on peut payer moins cher pour avoir de si bonne qualité, hein. Je sais ce que c'est de galérer, donc voilà, quand on peut se faire plaisir à un coût un petit peu moindre, bah écoutez, il en faut pour toutes les bourses, j'ai envie de dire. Donc voilà, niveau petit déj pour moi ce matin, ce sera deux petits trucs comme ça avec des pépites de chocolat et un napolitain. Ça me fait moins de 400 calories dans la matinée, donc c'est parfait. J'ai pas envie de yaourt ou quoi que ce soit ce matin, franchement, donc voilà, je préfère varier et prendre ça, c'est pas grave, ça me fait plaisir aux papilles. Et au moins j'ai pas de frustration. En dévorant mon petit déj, je vais mettre les chaussures de Maëlys, etc. Parce que dans 10 minutes il faut décoller. Je suis allée allumer la voiture parce que on s'est levé, c'était blanc. La voiture était complètement congélifiée. Donc je suis allée l'allumer, voilà, histoire d'avoir un petit peu plus chaud quand on va rentrer dedans et qu'elle n'ait pas trop froid, ma titine. Bref, allez, je mets la veste, les chaussures à Maëlys, etc., etc. Et on vous retrouve plus tard. Récupérer les filles, elles ont fini à 11h, enfin 11h10, donc il est quelle heure là du coup? Ah, c'est froid, hein, ça sort du congèle. Il est midi moins 25 bientôt,
Et du coup, à midi, ce sera pizza. Donc Shirley, elle a gardé sa veste pour aller faire cuire les pizzas. Pense qu'il faut que tu débranches le sèche-linge. Ok. T'arrêtes de faire tes griffes sur ce tapis, toi. T'as pas l'impression qu'il y a un trou carrément à force? Bon, du coup, moi, avant de partir chercher les filles, j'avais quasiment fini. Il me reste plus qu'un petit coup d'aspi à mettre sur le canapé, mais je le ferai une fois que j'aurai fini en haut, là-bas. J'ai secoué les petites couvertures aussi, il faudra que je les remette. Je vais monter le linge aussi à ranger et refaire le lit d'Andrew. Voilà. Je vais monter le sac de Charlie aussi dans sa chambre. Et là-bas, il y a les choses qui m'attendent pour aller faire le haut. Et vous, vous êtes en train encore de geeker? C'est pas possible, ça, hein? Et Malice, elle est en pleine création. Je ne sais pas ce qu'elle en train de me faire. J'ai le hockey, c'est en train de m'énerver. J'ai fait une petite lettre. Un petit truc pour accrocher. Oui. D'accord. Ok. Je vais me déshabiller et je vais aller faire le haut. Comme ça, après, je finis par l'aspiration du canapé. Ils sont en train de finir de manger. Il reste encore une pizza après celle-ci. La chorizo. La chorizo. Qu'est-ce que t'as mis à ton oreille? Ah, c'est un écouteur, je me demandais ce que c'était. Bon, elles étaient bonnes. C'est chaud, mais ça va. C'est la marque U, hein. Elles sont trop bonnes, les pizzas de la marque U. Du coup, je sais pas qui c'est qui a allumé les petites. Les petits Père Noël. C'est toi qui as allumé les petits Père Noël? Fallait allumer le sapin aussi, on va allumer le sapin. Je sais présenter des gens en espagnol. Tu sais présenter des gens en espagnol? Un article, on doit le savoir. Mmh. Demain, une sorte d'évaluation à l'oral. Je sais pas. Parfait. En espagnol, je... En plus, c'est pas moi qui pourrais t'expliquer parce qu'en espagnol, j'ai pas fait. Donc, alors, j'avais raison de quoi, cher ami? C'est trop bon? On est bien d'accord? Voilà, merci bien. Et voilà, il est allumé. Bon, par contre, ils ont diminué les... Les sucres d'orge, hein. Il en reste combien là? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Bon, sinon, niveau temps aujourd'hui, après le mistral de ouf hier, aujourd'hui c'est tout couvert, c'est tout blanc, il fait super froid. Voilà, c'est l'hiver. Bref, voilà, voilà, moi j'ai gardé mon écharpe parce que j'ai trop froid. Je ne sais pas où il est mon tour de cou. Regarde. Et ça, c'est un truc de fou quand même. Hein. Regardez. Là, c'est le bas. Regardez. Mais non, je viens de faire la poussière et tout et tout. Regardez. Ça se met à fond. Donc, je sais pas où il est. Elle m'a donné une mini part. Qu'est-ce que tu racontes, toi, Ginette? Elle m'a donné une mini part. Elle t'a donné une mini part? Oh. Et donc? En même temps, une mini part pour une mini bouche. Hein. Bon les amis, j'en ai profité d'aller déposer les loulous pour passer à Provence-Alpes que je vous disais tout à l'heure. Du coup j'ai pris ce gros filet de pommes de terre. Attendez, j'essaie de regarder en même temps. Il était à 3,95€, donc il y a 5 kilos, voilà. J'ai pris quoi aussi? J'ai pris un gros filet d'oignons parce que ben, j'en avais bien besoin, voilà. Donc j'ai pris un gros filet d'oignons et c'est pareil, il était à bonne question. Il était à 2,95€ le gros filet. Voilà. Et il y a 5 kilos aussi. J'ai pris des courgettes. Voilà. Des potées de courgettes parce que j'en avais besoin pour certains plats. Les courgettes, je les ai payées 2,20€ et il y a 1,05 kg. Ensuite, j'ai pris des carottes parce qu'on a prévu de faire une soupe. Donc, j'ai pris aussi des carottes. Puis, ils aiment bien grignoter comme ça. Je vous avoue, j'en ai pris un petit peu plus pour ça. Il y a 1,750 kg. Je les ai payés 2,78 €. Je me suis pris deux poivrons parce que ben, je dois faire une marmite espagnole, comme je vous avais dit dans le retour de course. Donc, du coup, j'en avais besoin de deux. Je les ai payés 1,57 €. Il y a un peu plus de 500 grammes. Je me suis pris une mangue. Voilà. Bien mûres, déjà mûres, etc. Elles sont un petit peu chères, cela, je vous l'avoue, mais la dernière fois, je les ai pris, elles étaient tellement bonnes. Il y a 700 grammes de mangue et elle fait 3,49 €. Voilà. Et là-dedans, il nous reste des poireaux. Il y a 1,735 kg et je les ai payés 2,24 €. C'est pareil, c'est pour la soupe. Là, il y a des tomates à manger parce que ben, j'ai besoin de tomates pour mettre à l'intérieur des croque-monsieur et à l'intérieur, c'est quoi que j'avais prévu, des hamburgers aussi. Donc les tomates, je les ai payées combien? 2,33 € et il y a 1,170 kg. Là, il y a des golden. Il y a plein de golden. C'était à combien les golden? Il y a plus de 2 kg de golden et j'ai payé 4,19 €. Et il y a des kiwis aussi. Ils doivent être là. Ouais, ils sont là. J'ai pris 10 kiwis et les 10 kiwis, ils étaient à 1,50 €. Donc voilà, j'en ai profité parce que Myron, il adore les kiwis. Et voilà, je pense que c'est tout. Ah non, j'ai pris des pomelos aussi. Voilà, avec les kiwis. J'ai pris 3 pomelos pour moi.
Parce que des fois, rien que le soir, j'aime bien manger ça. Et les deux, ils étaient à 99 centimes. Donc là, ça m'a fait 1,98€. Du coup, il me reste un petit peu plus d'une heure avant d'aller récupérer les loulous, d'aller déposer Shirley à Delta, de rentrer, faire la douche des autres, etc. Il faut que Alison se lave les cheveux. Il faut qu'on finisse de faire aussi la révision de son anglais. Voilà. Et puis ce soir, c'est des hamburgers frites. Voilà, donc ça sera rapide. J'ai mis à décongeler les steaks déjà, au moins je suis tranquille, j'aurais plus qu'à leur faire leur hamburger. Et moi, je sais pas ce que je vais prendre. Je crois que je vais prendre un petit peu de salade. Donc voilà. Bon, du coup, en attendant, je vais aller monter un petit peu le vlog précédent. Les amis et les loulous qui sont de retour. Vous savez quoi? Non. Des petits santons. Les petits Jésus. Oui. T'es folle. Oh. Alison, elle est en train de finir de réviser son anglais. Charlie est au hip-hop et moi, je vais attaquer les hamburgers. Voilà. Bébé chat, il nous saoule parce qu'il veut sortir, mais il ne comprend pas qu'il pleut. Il pleut. C'est mouillé dehors. Ben oui, il est rentré, tu m'étonnes. Il pleut comme pas possible. Bref, je vais attaquer les burgers. Et puis... presque 20h, il est moins 20. Je vais bientôt décoller, aller chercher Charlie. Donc du coup, je pense que je vais clôturer ce petit vlog pour aujourd'hui. On vous retrouvera demain pour de nouvelles aventures avec Monsieur Patate. Oui, ça y est, demain je vais changer mon chien. Je crois que ce soir, je ne vais pas dormir. Les gars, si vous faites rien ce soir, venez tous sur Snap et Insta, on chatche, parce que je ne vais pas dormir de la nuit, clairement. Je vais être trop excitée. D'ailleurs, j'ai sorti sa petite couverture. Vous savez qu'il m'avait offert dans le carton là, le jour de mon anniversaire. Je vais faire dodo avec ce soir. Comme ça, au moins, il y aura mon odeur dessus. Et demain, on frottera un petit peu au niveau sur sa mère, etc. pour qu'il y ait un peu l'odeur de sa maman aussi. Comme ça, au moins, voilà, ça lui fera lever un petit peu l'odeur, mon odeur, qu'il s'habitue, qu'il s'acclimate, etc. Puis en plus, c'est tout doux, donc je m'en fous. Bref, je suis surexcitée. Donc du coup, je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao. Amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans juste un petit aparté pour cette journée. Je vloguerai pas spécialement. Juste pour vous dire que vous m'avez quitté, on va dire, hier dans la partie d'hier, toute heureuse, etc. par rapport à Phoenix qui est arrivé normalement aujourd'hui, etc. Et j'ai eu un message de la femme de l'éleveur hier qui fait qu'il reporte encore la chose. Là, j'arrive un petit peu à la saturation, je vous avoue que ça commence à faire un petit peu beaucoup. Et clairement, franchement, je suis au bout de ma vie. Voilà. Donc j'ai passé une très mauvaise nuit et je me sens pas du tout de vlogger aujourd'hui. Donc je vous fais des bisous et puis on se retrouvera quand ça ira un peu mieux. Boy, I don't need that much.